Bon, salut tout le monde, les gars. Je vous ai expliqué quand même comment on fait la compète là, le basse, en temps soleil. Faut savoir que en temps soleil, il y en a qui savent pas, mais c'est pas pareil quand c'est mitigé. Alors, en temps soleil, qui commence à 17h, la compète de 17h, 18, 19, elle va jusqu'à 20h. Ça dure 3 quarts d'heure. Et il faut choper des unis de 17 à 19. Et oui, il faut choper les unis là pendant la première demi-heure. Après, les dernières 15 minutes, il n'y a plus d'unis. Ok? Si le temps serait mitigé, eh ben c'est le contraire. On n'a pas d'unis sur la première demi-heure. On essaye de choper les gros trophées. Et après, pendant 15 minutes, on essaye de choper un uni, deux unis, trois unis, et c'est ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer là comment on fait en soleil. Alors, mon matos, quoi, une Revertex, après les machines, normalement. Moi, j'utilise que ça. Franchement, il y a tout le monde qui arrive avec les 42 toutes couleurs, les 28 toutes couleurs. Eh ben, moi, je trouve qu'on perd du temps. On essaye un truc, et puis tu perds du temps. Alors, moi, j'ai que ça, les 3 X-Series. J'aime bien celle-là, la bleue, qui marche bien, et celle-là. Alors, en temps soleil, pour gagner, il nous faut au moins 4 unis, si vous. J'en ai déjà fait 5 pendant la compète, une fois. Mais j'arrive souvent à faire 3, 4, 3, minimum 2. Alors, on va essayer par là. Ici, j'ai pas trop l'habitude de commencer par ici. Normalement, je commence toujours en haut, quoi. Mais des fois ici, au premier lancer, on peut choper un uni. C'est pas souvent, mais des fois, on peut le choper. Il faut pas perdre de temps ici pendant la compète. Si tu fais un, deux lancers. Si tu chopes un trophée sur le premier coup, lancez encore deux ou trois fois. Parce que normalement, après le trophée, il y a un uni qui vient derrière. Alors, il faut 2, 3, 4 lancers après. Bah, si vous avez rien, perdez pas de temps. Et vous filez en haut. Bon, je vais mettre là 17h. 17h, c'est l'heure de la compète. Alors, j'ai une demi-heure là. Alors, jusqu'à 19h pour choper le maximum d'unis. Bon, je vais viser là. Normalement, sur les 37, sur les 30, il y a des unis. Des fois, bon, bah c'est chiant, ça les herbes devant là-bas. Mais il faut quand même essayer. Bon, je vais essayer comme ça un petit stop and go seulement. Voir si ça marche. Bon, les techniques, stop and go, lift and drop, il faut à peu près tout essayer, ça dépend. Voilà, un stop. Vitesse 3. Ah bah tiens, je commence bien un castor. Eh ben dis donc, on change. Bon, pour la compète, vous essayez un bashing. Eh ben si ça tape pas, franchement, 2-3 lancers, pas plus. Et il faut essayer lequel marche le mieux le jour de la compète. Ça veut pas dire que aujourd'hui ce sera un 42 et la prochaine fois ce sera un 42. Non, ça peut être l'autre. Ça change. C'est pour ça qu'il faut tout essayer, quoi. Il y en a un qui marchera mieux que les autres. Mais si vous trouvez le bon, bah après il n'y a pas trop besoin de changer, quoi. Bon, il n'y a rien, je vais faire un dernier lancer. Je ne vais pas perdre trop de temps ici. Vous voyez, des fois, ça marche pas. Alors, je fais un dernier lancer, pas plus. J'ai pas de grosse touche, j'ai rien du tout. Alors, bon, normalement, des fois, je teste seulement. Des fois, je fais vraiment seulement un lancer ou deux.
Mais je veux quand même essayer le stop and go, le twisting et une fois en lift. Ok, je fais quelque chose ici en lift. Bon, un petit. Alors, bon, pas perdre trop de temps ici. Alors, ici, c'est où on chope le plus de nids. Je crois que tout le monde connaît le coin. Alors, je vais vous expliquer quand même un peu. En visant là, il y a des unis. Là, je chope des unis. Là, normalement, des gros trophées. Et là aussi, des gros trophées. Ok? Bon, le but ici. Je mets en pause seulement pour expliquer quand même. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, quand vous chopez 4 trophées ici en haut, ne changez pas de coin. Normalement, après un quatrième trophée ici, il y a l'uni qui vient. Si ce n'est pas juste après le quatrième trophée, ce sera juste après. Il faut ne changer pas de poste. 4 trophées, un uni. Ok? Bon, on va tester ça. Ça arrive souvent. Bon, moi j'aime bien viser là. Un petit peu là, quoi. Allez. N'oubliez pas. D'abord, il nous faut nos 4 trophées vite fait. Il y en avait un là. Je crois que ça tape plus en haut aujourd'hui. Bon, des fois il faut tester. Des fois, vous avez déjà vu ça sur. Des fois, ça tape en haut. Des fois, ça tape en bas. Il faut voir. Il faut un peu tester quoi. C'est pour ça qu'il faut quand même tester les techniques. Il y a des techniques. C'est mieux en haut. Bon, il n'y a plus rien là. Moi, quand j'arrive sur les 20 normalement, je ramène. J'avais pas vu la distance. Alors, je refais un lancer. Si j'ai rien sur la 42, bah juste après, je change. Je perds pas de temps. Je change de gig. Ouais, ils sont un petit peu plus en haut, comme vous avez vu. Et je crois que ce sera mon premier trophée. Je suis pas trop sûr si c'est un trophée, c'est un petit. Mais je pense que c'est un trophée quand même. Ouais, 2,5 kg. Bon, alors, là on commence à compter un trophée. Alors, il m'en faut encore 3 pour choper l'uni. Bon, n'oubliez pas, c'est ce que je fais pendant la compète. Je fais mon comptage. Ok. Vous voyez, j'ai lancé un coup à droite. Là, je lance un coup à gauche. Ben, après, je relance à droite, un coup à gauche, un coup à droite. J'irai peut-être là-bas chercher un trophée. Il y a toujours des beaux trophées là-bas. Bon, je ne change pas mon gig. Pourquoi? Parce que j'ai quand même chopé un trophée. Alors, je ne cherche pas trop, je continue. Si je chope 3, 4 poissons là comme ça, des 1,5 kg, 1,6 kg, oui, là je changerai mon gig. Mais bon, je crois que le 42 grammes aujourd'hui, c'est pas mal. Si vous n'avez pas le Banshee 42 grammes X-Series, je crois que si vous faites pendant les 30 jours ici, si vous restez ici 30 jours, vous aurez ce Banshee. Bon, je vais essayer un petit coup là, quand même. Là, il y a moins de fond. J'enlève une vitesse et je fais un twisting. Voyez, parce qu'il mord en bas.
Bon, là, je ramène un petit. Bon, je fais un dernier lancer. Si j'ai pas de trophée là, je change mon J. Je vais le faire en lift. Et je vais essayer un petit peu plus haut. J'ai vu que ici, du côté là, ils étaient quand même pas mal en haut. Ouais, je l'ai loupé. Bon ben, si je l'ai loupé là, je le fais en bas. Voilà, ça, je sais pas, ça peut être un pick-up sur les 23, des fois 20, 23, c'est du pick-up. Oui, bon ben je change la cuillère là parce que j'ai seulement un trophée et je peux pas trop perdre de temps. C'est la 42 bleue, celle-là, c'est une, elle marche pas mal, franchement, je l'aime bien. Ça marche pas mal, surtout en bas vers le bateau. Là, je l'ai là. Mon deuxième trophée, je crois. Bon, ça peut arriver que des fois vous chopez un uni avant les quatre trophées quand même, hein. Mais normalement, le normal, c'est quatre trophées après l'uni. Bon, j'ai mon deuxième trophée. Alors, il m'en manque deux. Ça veut pas dire que j'aurai un uni avant. Ça peut arriver, franchement. Mais normalement, il me faut quatre trophées le plus vite possible. Et après, oui, ce sera les unis. Pas que c'est un trophée. C'est un trophée, c'est un petit. Non. Bon, je continue en lift. Vous voyez, des fois je fais un lift et juste après, avant qu'elle tombe, je refais le lift. Qu'elle grimpe un petit peu plus haut. Là, j'enlève la vitesse. Quand j'arrive sur les 30, normalement, ils sont plus en bas là. Ça doit être peut-être un pick-up là sur les 22. Ce serait bon, là, un trophée. Ça a l'air. Ce serait mon troisième. Bon, les gars, mon troisième trophée. Alors, il me faut un quatrième trophée. Bon, allez.
Les gars, c'est comme ça. La compète du bat. Des fois, les mecs, ils chopent pas des unis. Pourquoi? Ben, parce que des fois, ils chopent deux trophées ici. Et après, par hasard, ils changent de poste. Parce que ils chopent que des trophées. Mais non, il faut rester ici quand même. Sûr que après un quatrième trophée, il y aura des unis. Alors, on est à 3. Bon, les gars, je voudrais aussi, là, pour faire les 30 jours, là, ceux qui savent pas, là, les nouveaux, vous n'avez pas besoin de rester ici pour faire 30 jours. Vous pouvez faire les 30 jours sur le lac pour avoir, là, vos trucs X-Series en 5 minutes. Comment faire? Alors, je vous explique. Vous laissez tous vos motos à la maison pour pas gaspiller au réparage. Vous enlevez surtout vos cannes. Pas votre boîte là, votre boîte avec tous les outils, les trucs, parce que sinon après c'est le vrai bordel pour tout remettre dedans. Alors vous laissez vos cannes, votre sac là, le vivier et les moulinets. Après vous venez ici et vous choisissez et vous mettez juste à 21 h. Vous tournez votre montre à 21 h. Vous allez après retourner toujours, choisir le jour d'après à 21 h. Vous allez gaspiller une petite pièce d'or sur le premier coup et après vous ne gaspillez plus de pièces d'or sur les derniers 28 jours. Bon, je crois que j'ai chopé mon quatrième trophée. Alors qu'est-ce que je fais des fois? Je sais que après j'aurai un uni. Si c'est pas après, ce sera un ou deux lancers après. Alors je fais un petit lancer avec ma 56. L'hameçon 6-0. Si ça tape pas, je mettrai mon 42. Je sais qu'il marche le 42 aujourd'hui. Et on aura l'uni. Alors, n'oubliez pas, je vous ai dit 4 trophées. Alors, là, des fois, il y a un petit black bass là qui se met au milieu. Seulement pour nous faire chier. Mais normalement, après un quatrième trophée, c'est l'uni. Ah, je l'ai loupé là. Je l'ai loupé, je vais essayer encore une fois quand même. J'ai vu, j'ai loupé mon unit tout à l'heure là-bas. Ah, ça tape pas. Aujourd'hui, ça tape pas. Bon ben, je reviens sur le 42. Ça mord, mais ça accroche pas, quoi. Ça accroche pas. Alors, bon ben, on va mettre un 42 X-Series. Ou le bleu. Le bleu, il était pas mal. J'ai chopé mes trophées avec le bleu quand même. Normalement, soit je reviens sur un 42, celui-là ou le bleu, j'ai vu qui marchait pas mal. Bon, alors là, on va essayer notre uni. Bon, alors je disais sur les 30 jours. C'est facile. Vous changez l'heure de votre jeu. Vous changez l'heure. Toujours sur le jour suivant. Bon, bah tiens, un trophée. C'est pas normal quand même. Un cinquième trophée. Ça, c'est pas normal. Ça, quand c'est comme ça, des fois, il n'y aura pas d'uni jusqu'à la fin. Mais bon, on va quand même essayer. Vous pourrez tester. Les 4 trophées, comme je vous ai dit. Là, il m'a donné un cinquième trophée quand même.
C'est pas normal. Avant les 18 h, normalement, il nous faut toujours un. Les unis, normalement. Il faut quand même choper un uni avant les 18 h, parce que sinon. Eh ben non, aujourd'hui je n'aurai pas d'uni, franchement j'ai déjà tout testé. Le jeu ne veut pas m'aider. Bon, là, j'ai chopé mon uni. Bon, les gars, qu'est-ce que je fais après un uni? Normalement, je file en bas. J'essaye de choper un deuxième uni vite fait en bas. Si ça marche pas, je reviens en haut. Ok, les gars? Comme vous voyez, j'ai pas changé de cuillère. Je relance un trophée. C'est pas mal le trophée. Normalement, après, il y a des unis. J'ai senti une touche, j'ai dû la perdre. Celle-là ici, ça marche bien la rouge, là, ici, dans le coin là. Alors, on va essayer. Je viens de le louper sur les 28. J'étais en touched. Peut-être en lift. J'aurais dû faire un lift là-bas.
Bon, peut-être le nid, comme je vous ai dit. Quand vous chopez un trophée, normalement, 1, 2, 3 lancés. Après, il y a un uni. Ok. Bon, alors, un uni ici. Vous relancez. Allez, on va essayer de choper un troisième quand même en haut. J'ai 15 minutes de jeu pour rechoper un troisième et un quatrième. Alors c'est ça, vous voyez, j'ai chopé un nid en haut, un nid en bas. On va essayer d'en choper ici un troisième quand même. Vite fait. Bon, je ramène, je crois pas que j'aurai quelque chose. Je me rappelle plus, j'étais avec quoi? Sûrement une île, je crois que c'était celle-là. Bon, ce serait bien déjà mon troisième uni. Moi, je crois pas quand même. C'est un trophée. C'est pas mal. L'uni n'est pas loin. Alors, on relance. Et on aura peut-être encore le temps pour quand même un troisième uni. Comme je vous ai dit, jusqu'à 17h, il y a de l'uni. Après, non, c'est fini. Temps soleil, n'oubliez pas. Quand même essayer un petit coup là, ça va être dur. Il n'y aura que deux unis. Bon, j'ai plus que 4 minutes de jeu. Je voudrais bien vous montrer comment faire 2, 3, 4 unis. Mais aujourd'hui, le jeu. Mais bon, le but, c'est ça, franchement, tester. Franchement, il faudrait. Ben, vous pouvez tester. Il faut tester, quoi. Après, bon. Oh, ben, en plus, je ramène de. N'importe quoi là pour me faire chier, ça c'est pas souvent sur les 50 mètres. Franchement, je comprends pas le jeu aujourd'hui, pénible, mais bon, un sac en plastique, ah, c'est bien, oui, c'est très beau, mais bon, bah, c'est ça le jeu, c'est comme ça. Mon dernier lancé sur les 19h, alors. Si je chope pas une île là, bon bah c'est mort quoi. Il n'y aura que deux unis. Bon, après, ça dépend. Si vous avez des petits trophées, bon bah vous faites le tour sur les trophées. Vous essayez de choper quelques beaux trophées là. Je vais vous montrer les coins des trophées. Bon, je vous ai dit là, à gauche, à droite. Là. Si vous voulez, là, dans le coin là, il y a des trophées. N'oubliez pas, si le temps est mitigé, vous faites le contraire, vous faites un petit tour sur les trophées d'abord.
Et après, sur le dernier quart d'heure, vous restez en haut. Pour essayer de choper un ou deux unis. Bon, j'ai pas trop eu de chance là avec le jeu. Mais bon, vous avez les idées là. Vous entraînez. Ok. Vous entraînez. Bon, voilà, vers la fin. Quand on a 2-3 unis, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah tiens, un. Ah bah franchement, chapeau. Franchement, aujourd'hui, le jeu. Je vais pas trop dire des bêtises, franchement, mais là. Bon, il y a là des trophées, là où j'ai chopé le brochet des mers. Il y a des trophées. Il y a les trophées. Là, il y en a aussi. Là. Vous pouvez faire même du touching parce que des fois ça tape en bas, alors. Bon, bah, c'est ça. J'ai pas trop eu de chance quand même. J'ai chopé deux unis, mais franchement, alors bon, un petit résumé. Vous commencez là, un, deux lancers, perdez pas trop de temps là. Un lancer, deux, pas plus. Vous allez en haut, essayez de choper les quatre trophées. Sur les quatre trophées, s'il n'y a rien, ben continuez parce que l'uni est en haut. Si vous avez perdu trop de temps, après essayez de revenir ici, choper un deuxième. Et avec un peu de chance, comme vous avez vu, j'ai fait trois lancers, j'ai chopé l'uni ici, je suis retourné en haut, j'avais plus le temps. Mais trois trophées minimum, c'est déjà pas mal sur la compète, franchement. Après, vous faites un petit tour pour choper les trophées sur le dernier quart d'heure. Ok les gars, ben si vous avez aimé, mettez un petit like quand même, parce que ça y aide quand même à faire grimper. Ma chaîne sur YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous, c'est gratuit. Et un petit like, ça fait du bien quand même. Ok les gars, allez, merci. Allez, et si vous avez besoin, envoyez-moi un petit message. Vous avez besoin d'un petit tuto, ben je le fais. Vous me dites quelle compète vous voulez faire. Ok, allez, un petit like vite fait. Allez, merci. À plus les gars.